Film impressionnant au box-office et auprès de la critique, L'Opéra de l'espace, La Terre errante a été le lauréat le plus notable lors de la cérémonie de remise des prix du Festival du film dimanche soir. De productions européennes communes, Repes Lazaro et Sorry You Missed You ont également été primés. Je ne veux pas en dire trop, ce film est un conte de fées, mais en plus réaliste, à propos de la société. Il parle de l'amitié entre deux hommes différents, qui ont des vies différentes. Cette année, le Festival international du film de la Route de la Soie, qui a duré 6 jours, a présenté une série d'expositions sur les films, des forums de l'industrie et des séminaires professionnels dans la ville de Fuzhou, dans l'est de la Chine, un port important le long de l'ancienne route maritime de la Soie. L'événement émergent a attiré plus de 260 organisations de quelques 20 pays et régions du monde, environ 18 milliards de yuans, soit environ 2,5 milliards de dollars de contrats y ont été signés pour 32 projets majeurs. Je suis allé au Festival du film de Beijing et de Shanghai. La différence que j'ai ressentie entre Beijing, Shanghai et Fuzhou, c'est que les gens de Fuzhou sont très aimables et chaleureux. Parmi les points forts du festival, il y a toute une gamme d'initiatives visant à promouvoir l'industrie cinématographique dans les pays situés le long de la ceinture et la route. Les propositions comprennent la formation d'une alliance industrielle et la création d'un fonds spécial. Nous sommes en train de créer un fonds de développement du film Ceinture et route dans le cadre de ce festival. Cela aura une importance majeure pour les échanges culturels entre les pays situés le long de la ceinture et la route. Le fonds vise à soutenir un large éventail d'activités liées au festival du film. Il sera également utilisé pour encourager la créativité des jeunes cinéastes. Il fonctionnera régulièrement par le biais d'un forum réunissant les dernières idées concernant l'industrie du film. Il ira au-delà des pays de la ceinture et la route. Le Festival du film de la Route de la Soie, organisé chaque année depuis 2014, est l'un des principaux projets culturels de l'initiative chinoise Ceinture et Route. Il s'est tenu l'année dernière à Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine.